Bonsoir, excusez-moi, on va commencer. Voilà, on me fait signe. Merci à tous pour votre présence pour cette table ronde sur les images de la mort dans les archives photographiques de l'ECPAD. Je vais me permettre un petit avertissement avant de commencer. On a prévu de vous montrer quelques images. Et ces images peuvent être un petit peu choquantes, un petit peu déroutantes. Voilà, donc je voulais prévenir les personnes qui sont un peu sensibles qu'il pourrait y avoir des images un peu choquantes. Je vais me présenter d'abord. Pour commencer, je suis Floriane Germain, donc je suis la chef du département de la médiation et des publics de l'ECPAD. L'ECPAD qui est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Je vous présente tout ça, mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager cette table ronde avec Linda Garcia Dornano, ici à ma droite tout au bout, qui est administratrice du Collège international de photographie et doctorante en histoire de la photographie, et son sujet est les approches et pratiques des photographes militaires français pendant la guerre d'Indochine, une école du regard. J'aurai aussi le plaisir de vous introduire Constance Lemont-Louvet, qui est chargée d'études documentaires principales, adjointe à la chef du pôle de développement culturel et de la diffusion à l'ECPAD, et aussi Colline Villain, qui est chargée d'études au Centre d'études stratégiques aérospatiales à l'école militaire. Pour commencer, je vous contextualise un petit peu. L'ECPAD, c'est quoi ? Alors, nous disposons de 15 millions de photographies et de 100 000 heures de films. Les archives de l'ECPAD constituent de véritables sources pour travailler différents sujets autour de la mort des soldats et des civils lors de différents conflits armés et de différentes périodes historiques. La richesse et la volumétrie de nos fonds permettent de réfléchir aussi à des questions de conservation et de traitement archivistique, vous verrez plus tard, de mise à disposition du public, et surtout de proposer à des chercheurs de nombreux sujets et de venir explorer nos fonds pour toujours renouveler la recherche en histoire notamment. Nous avons principalement trois activités à l'ECPAD. Donc la production, depuis 1915 et jusqu'à nos jours, production de photographies et de films, puisque nous avons des reporters militaires qui sillonnent les zones de conflit où l'armée française est engagée. Nous sommes le centre d'archives audiovisuelles définitives du ministère des Armées. Et à ce titre, nous conservons toutes les productions réalisées par le ministère. Et nous sommes un centre de diffusion et de mise à disposition de ces archives et de valorisation, notamment par des projets culturels, scientifiques, comme c'est le cas dans ce que vous allez voir ce soir, mais aussi pédagogiques. Nous mettons à disposition les archives à la disposition de tous. Vous pouvez venir, pour ceux qui se déplaceraient à Ivry-sur-Seine, à notre médiathèque, il suffit de réserver en ligne, ou consulter une grande partie de nos fonds sur imagedefense.gouv.fr. Comment est organisée cette masse d'archives, alors par fonds ? Nous avons d'abord le fonds Première Guerre mondiale, qui comprend plus de 100 000 clichés, comme vous pouvez le voir, et environ 2 000 films qui ont été produits entre mai 1915 et décembre 1919. Nous conservons aussi un fonds Seconde Guerre mondiale, français et allié, donc plus de 120 000 clichés et près de 3 000 titres de films qui ont été composés entre 1939 et décembre 1945. Nous avons aussi la chance d'avoir un fonds allemand, ce qui est assez exceptionnel. Près de 353 000 et quelques clichés, plus de 1000 titres de films, de septembre 1939 à novembre 1944. Ensuite, nous allons vers des conflits plus récents, des conflits d'indépendance, donc l'Indochine, que Linda vous présentera un peu mieux tout à l'heure, avec plus de 100 000 clichés et 1000 titres de films, de septembre 1945 à 1956. Mais aussi l'Algérie, avec plus de 160 000 photographies et 1200 titres de films de 1945 à 1964. Un fonds contemporain donc, qui regroupe des années 70 jusqu'à 2018 près de 118 000 photos et 13 000 titres de films, mais aussi un fonds actualité
puisque la production continue et donc nous sommes à N-5. Donc en fait, toutes les actualités sont versées à partir de 5 ans. Nous avons près de 15 000 clichés, 125 titres de films de 2019 à nos jours recensés sur Image Défense. Je vais maintenant laisser la parole à Constance Le Mans-Louvet et qui va nous présenter les images et représentations de la mort dans les fonds et ce qu'on peut trouver justement et les différences qu'il pourrait y avoir dans le traitement des images, dans les images dans nos fonds. Constance. Merci Floriane. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je me présente à vous comme documentaliste. J'ai travaillé plusieurs années sur les collections de l'ECPAD, à la fois sur le fonds Indochine, le fonds Première Guerre mondiale et le fonds contemporain. Des années 40 aux années 90. Et ce que je vais tenter de faire là, en fait, c'est de dresser un panorama des représentations de la mort dans ces fonds photographiques et comment ces représentations vont évoluer au fur et à mesure des conflits. Et puis, en fin d'intervention, je vous expliquerai comment on travaille dessus et surtout comment on communique sur ces images difficiles. Alors, je le répète, Floriane l'a dit, les images, voilà, j'ai essayé de rester un peu... soft, on va dire, mais certaines images peuvent être difficiles. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plus de 100 000 plaques de verre en noir et blanc qui sont conservées à l'ECPAD. Elles ont été créées dès 1915, lorsque la section photographique de l'armée est créée. Et en fait, dès ce moment-là, il faut savoir que les images de la mort abondent. Aujourd'hui, sur ces 110 000 photos, il y en a au moins 3 000 dont le thème représenté est la mort, finalement, et plus de 500 qui sont indexés par le terme cadavre. Donc, on a des cadavres sur au moins 500 photographies. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qui sont ces cadavres, finalement ? Ce sont des soldats français ou allemands. Il y a bien les deux. Voilà, souvent photographiés seuls ou en groupe, victimes de l'artillerie principalement. Ce que l'on doit savoir également, c'est que ces plans souvent sont larges, très éloignés. Et finalement aussi, on remarque que les corps sont souvent abîmés. Comme vous le voyez ici. Voilà, les corps sont abîmés et ceci s'explique par le fait qu'à l'époque, le matériel des photographes est extrêmement lourd, difficilement maniable et par conséquent, on n'est pas à l'instant T de la prise de vue. On fait toujours des plans un peu larges et puis voilà, on arrive toujours après la mort. Mais finalement, ce qui marque énormément dans ces photographies de la mort de la Première Guerre mondiale, c'est qu'elles représentent vraiment la mort de masse. Il y a quelque chose qui frappe énormément quand on regarde ces images, c'est l'attitude des vivants qui sont sur les photos. L'attitude des vivants qui souvent regardent l'objectif. Donc sur la photo suivante, bon, j'en ai mis qu'une seule, mais au fond, vous voyez, il y a une fosse pleine de cadavres, donc certes allemands, mais une attitude finalement d'acceptation, d'habitude, qui montre finalement que la mort sans doute intervient quotidiennement pour tous ces soldats. On peut passer tout de suite à la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est une petite spécificité sur les fonds de l'ECPAD. Il faut savoir que la section cinématographique des armées est interrompue en 1919 et reprend en 1939. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de production organique officielle entre les deux guerres. Donc on commence tout de suite pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce conflit, toujours la même chose, des soldats français, allemands et puis de toute nationalité. Mais il y a une nouvelle particularité finalement, c'est que la première victime, les premières victimes, ce sont les civils. Un petit rappel, il y a entre 44 et 50 millions de victimes civiles pendant le conflit mondial. Et finalement, le fonds photographique du SCA de l'époque, il représente ça, il montre bien, c'est le reflet de cette réalité de ce conflit. Et donc, on a plusieurs centaines de photographies indexées avec des cadavres, vraiment, et beaucoup de civils, d'enfants, de femmes, de gens restés. Donc ici, vous avez une photo, prise en 1940, pendant la fin de la drôle de guerre, dans le nord de la France. Ce qu'on peut remarquer pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les plans deviennent de plus en plus rapprochés,
Alors, rapprocher à la fois dans leur valeur de plan, c'est-à-dire on se rapproche du sujet, et puis rapprocher dans le temps de la mort, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus près du moment où la mort est donnée. Et ça, ces deux choses, ces deux aspects s'expliquent finalement par le matériel qui est devenu beaucoup plus léger, beaucoup plus compact, et finalement les photographes et même les caméramans peuvent se déplacer plus en avant et plus près des corps pour être encore plus, rendre un témoignage encore plus fort des drames qui se jouent. Et puis, voilà, il y a une particularité vraiment qui naît pendant la Deuxième Guerre mondiale, finalement, c'est une sorte, on va dire, d'iconographie qui naît, c'est celle des crimes de guerre, la découverte des crimes de guerre. Je pense que nous tous, on se rend compte que, voilà, les amas, les charniers, les exhumations des corps, les amas de corps, de cadavres, etc., pendant les camps de concentration, c'est vraiment quelque chose qui naît pendant ce conflit-là. Et effectivement, dans les fonds de l'ECPAD, vous avez plus d'une centaine de photographies de charniers seulement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même assez conséquent. J'ai mis une photo également d'images qui représentent la mort, qui symbolisent la mort, sans pour autant la montrer directement, comme ici, donc Oradour-sur-Glane, un village martyr. Voilà, mais ce sont des photos qui pèsent énormément, qui sont empreintes vraiment de la mort. Alors, on parle de photos, mais j'avais envie de vous montrer un très court extrait d'un film. C'est un film fait en avril 1945, et c'est juste après la libération du camp de Buchenwald, où le gouverneur militaire, donc c'est un film américain, invite, on va dire contraint, les civils allemands du coin de venir voir le camp. Et je trouve ce film assez fort. Alors j'ai mis que 20 secondes pour que vous vous rendiez compte, mais parce qu'il montre à la fois une représentation directe de la mort des charniers et indirecte aussi sur les regards, les visages. Voilà, donc c'est le genre de film, de document très très fort, d'archives, un document preuve que nous avons. Donc, on peut le lancer. Voilà, donc j'ai mis vraiment un court extrait, mais vous pouvez le voir sur le site internet imagedefense.gouv.fr. Il est assez surprenant, ce film, d'autant que dans l'expérience, le gouverneur militaire voilà, qui a libéré le camp va aller contraindre ses civils, d'ailleurs, à marcher 15 km à pied pour se rendre jusqu'au camp et à faire tout un circuit voilà, à pied. Voilà. Donc je trouve pour ma part que c'est, on sent qu'ils expérimentent quelque chose voilà, de très difficile. On ne sait pas trop bien comment se positionner hein, sans jugement, mais c'est une preuve d'histoire très, très forte. Donc voilà, je voulais parler de ça pour le fond Seconde Guerre mondiale. Voilà, encore une fois, moi je me positionne vraiment comme documentaliste. Et voilà comment, quand on interroge la base de données, quand on regarde ces films et en tant que documentaliste, quelle synthèse on peut en tirer. Donc après la Deuxième Guerre mondiale, il y a les conflits d'indépendance, les guerres de décolonisation, où là, vraiment, la mort est extrêmement représentée. Elle apparaît dans plus de 700 photographies, plus de 500 photographies, on porte des cadavres. Et là, il y a une particularité très, très, très forte, c'est que c'est toujours l'ennemi, presque, qui est photographié, vaincu, déjà. Et donc, pour montrer vraiment que c'est une période de propagande intense, les photographies de la mort sont là pour faire de la propagande, tout simplement pour communiquer voilà, contre l'ennemi. Et parfois également, il y a des mises en scène. Les corps des ennemis sont mis dans des positions et dans des postures avilissantes, entourés parfois d'appelés qui prennent la pose, eux-mêmes sujets finalement de la propagande, hein, complètement endoctrinés également. Donc ça, ce sont vraiment des caractéristiques qu'on trouve dans cette période. Et j'aimerais par contre souligner deux choses sur ce fond, quand on les observe. C'est que quand les rares photos où les soldats français sont photographiés en train de mourir, eh ben, il y a des reporters qui se sont marqués, vraiment, qui ont marqué leur regard d'un point de vue humain, humaniste. Les soldats sont montrés, les soldats français sont tout l'inverse des ennemis vaincus. Ils sont en train de mourir, mais ce sont des sacrifiés magnifiques.
si vous voulez. Voilà, ils sont magnifiés. Donc ici, c'est un reportage assez connu de Marc Flamand, voilà, du sergent-chef René Santenac. Et il y a tout un reportage où on voit finalement son agonie au fur et à mesure. Il est en train de mourir, et parfois dans des clichés, dans une lumière assez, assez belle, si je puis dire. Et finalement, en préparant cette intervention, j'ai aussi constaté quelque chose. Alors là, c'est sur le fond Indochine. Il y a 90 000 photos sur l'Indochine. C'est la même chose. C'est-à-dire que souvent, ce sont les Viet Minh qui sont montrés morts, avilis, dans des situations les corps sont en putréfaction, etc. Mais il y a une exception qu'on constate tout simplement quand on est documentaliste. C'est la bataille de Dien Bien Phu, dans laquelle on trouve énormément de photos dans ce genre-ci, de soldats français dans des linceuls. Et c'est vraiment le moment où on va voir beaucoup de morts français. Voilà. Et finalement, on peut s'interroger sur est-ce que ce n'est pas finalement un regard un petit peu à la fois humain des photographes qui veulent témoigner de ce qui se passe, mais aussi de la fin du conflit, de cette défaite qui a été Dien Bien Phu, bien évidemment. Et finalement, on s'interroge, on se demande si le photographe ne porte pas un regard accusateur contre les autorités de l'époque qui ont laissé faire ce désastre, on va dire. Alors, après ces conflits de décolonisation, dès les années 60-70, la France, l'armée française va rentrer dans ce qu'on appelle le temps des OPEX, les opérations extérieures. Alors, à part quelques exceptions, comme par exemple la guerre du Golfe ou le Mali, où la France est rentrée, l'armée française est rentrée en guerre, sinon on peut dire que l'armée française, elle intervient le plus souvent dans les conflits où elle n'est pas directement en guerre. C'est-à-dire qu'elle intervient au nom de l'ONU, sous la bannière de l'OTAN, pour intervenir auprès de populations, pour dissuader, pour s'interposer. Je pense ici à des opérations comme le Tchad depuis 1970, le Liban depuis 1978, et puis évidemment il y a eu le Rwanda, il y a eu le Cambodge dans les années 90, la Bosnie. Et voilà, du coup, le soldat français, il est moins une cible, vu que la France n'est pas directement en guerre, et donc il y a moins de morts à l'image. Et donc j'aimerais juste noter une petite exception pour le Liban. À ma connaissance, dans les fonds de l'ECPAD, la dernière photographie d'un soldat français en train de mourir date de 1978, au sud Liban, du caporal-chef Marie. Vous pouvez voir cette photo, d'ailleurs, dans une exposition qui est présentée à l'hôtel du département de Blois, qui s'appelle « Mort pour la France ». Et on a mis cette photographie, justement. Et il y a aussi le Liban. On va commémorer là les 40 ans de l'attentat du poste Drakkar à Beyrouth, qui avait fait 56 morts parmi les parachutistes français. Et donc, pour moi, ce sont les dernières photos, à ma connaissance, où l'on voit des corps de soldats français dans les fonds. Ça fait quand même 40 ans. Le reste des images où la mort apparaît dans les fonds de l'ECPAD, ce sont les civils, finalement, les premières victimes, les tués. Ce sont les victimes, comme vous pouvez voir, de génocide, de famine, des images d'ailleurs très, très difficiles. Et là, les photographes se sont positionnés non pas pour communiquer et suivre presque les soldats français, mais pour faire des images preuves de l'histoire du monde, hein, tout simplement, de phénomènes tragiques. On a également des choses un peu plus récentes. Dans les années 2000, quand il y a eu le tsunami en Indonésie, voilà, il y a eu l'opération Berix, par exemple, il y a des soldats français qui ont été envoyés pour aider à s'occuper des corps des 240 000 victimes. Voilà, donc, et ça, c'est ainsi que la mort apparaît dans les collections. Alors aujourd'hui, quand je fais un test dans la base de données, je constate qu'il y a à peu près, sur les 20 dernières années, seulement 700 photographies qui ont un thème sur la mort. Et c'est quoi ces thèmes? Ce sont des photos de cimetières, de commémorations, de cérémonies. On a seulement 20 occurrences de photographies avec le mot-clé descripteur « cadavre ». Donc c'est très peu sur les 20 dernières années, en sachant qu'il y a également des animaux, parfois juste des corps d'animaux dans le désert, voilà. Et donc, on peut s'interroger, finalement, la mort semble lointaine. Elle est un peu mise à distance. Pourtant, on sait qu'elle existe. Encore récemment, par exemple, il y a des soldats français qui sont morts en opération extérieure. Et tout ça, chez nous, c'est rappelé dans les collections, finalement, par ces hommages nationaux réalisés aux invalides. Alors, je ne dis pas qu'ils sont dépourvus d'émotions, mais finalement, ce sont des cérémonies extrêmement codifiées, organisées, et donc la mort, elle n'est pas montrée
le corps du soldat, le corps des victimes n'est plus jamais montré. Et finalement, voilà, sur ce panorama que je vous ai dressé depuis 1915 à aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la mort, finalement, elle est de plus en plus représentée. Pour finalement, aujourd'hui, alors, ça reflète aussi la nature de la mission, la nature des missions de l'armée française. Hein. Aujourd'hui, il y a moins de morts dans les conflits dans lesquels la France s'engage. Mais voilà, et on remarque que les guerres d'indépendance marquent vraiment très fortement beaucoup de photographies sur le sujet. Alors, comment aujourd'hui on communique ces archives? Je vous ai parlé de mots-clés, je vous ai parlé de thèmes, je vous ai parlé de notices photographiques. Tout ça, c'est le champ lexical du documentaliste qui doit renseigner des documents, qui est le premier finalement à découvrir, l'archiviste documentaliste est le premier à découvrir ces images, à regarder les négatifs, à découvrir des choses très très dures des fois, il ne faut pas se le cacher. Et donc, il doit renseigner, mettre des mots-clés, contextualiser, bien évidemment. Tout ça, il faut savoir que si une image n'est pas renseignée, on ne peut pas l'exploiter, personne ne la retrouvera jamais. Donc voilà, ce travail, il est fait pour pouvoir qu'on puisse s'en servir, pour le mettre à disposition des chercheurs, des historiens. Et évidemment, quand ces images sont très difficiles, c'est notre responsabilité de mettre un petit avertissement, certes léger, mais voilà, dans la base de données qui est accessible aux lecteurs en salle de consultation, ils savent que l'image, voilà, ils vont être confrontés à quelque chose de difficile. Mais en général, les lecteurs qui viennent en salle de consultation, ils sont à peu près avertis. C'est un public averti, il sait à quoi il peut s'attendre sur un fond photographique du ministère des Armées. Et la différence, finalement, c'est la diffusion de ces documents sur Internet. Donc avant, quand on est en salle de consultation, c'est la communication, c'est-à-dire que ça, c'est réglementé, c'est conforme au code du patrimoine, c'est notre obligation en tant que centre d'archives de communiquer ces images. En revanche, diffuser sur Internet, par exemple, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de réglementation. Alors, depuis 2 ans, nous avons un site Internet qui s'appelle imagedefense.gouv.fr, sur lequel, aujourd'hui, vous avez plus de 350 000 photos. On alimente quotidiennement ce site Internet pour rendre disponibles ces fonds. Mais évidemment, on peut se poser des questions. Il n'y a pas de réglementation. Toutes les institutions font un petit peu comme ils ont envie. Vous pouvez mettre des choses très dures, au contraire, faire de la rétention. Donc, voilà, on estime aussi qu'on a une certaine responsabilité. Et donc, je voulais juste dire que nous, notre outil, finalement, c'est qu'on a tout simplement un petit écran de mise en garde sur le site Internet, sur la notice. L'internaute, voilà, il sait sur quoi... on le prévient. Attention, cette image peut choquer. Voilà. Par contre, on a mis un veto, toutes les images sont communicables, mais sur Internet, il y a quelque chose qu'on ne diffuse pas, c'est à partir du moment où ces cadavres, ces corps, par exemple, portent atteinte, ces photos portent atteinte à la dignité humaine. Et ça, voilà, on ne veut pas montrer des choses avec des corps dans des positions avilissantes, et ça, c'est un choix que le CPAD a fait aujourd'hui. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Constance. C'était vraiment très intéressant. Je vais maintenant passer la parole à Colline, qui va nous parler de son thème de recherche, qui était la mort des aviateurs lors des deux guerres mondiales, sous le prisme des archives conservées à l'ECPAD. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de mes mémoires de recherche qui ont porté sur la mort de l'aviateur lors des deux conflits mondiaux. Et là, il s'agit plus précisément de l'image de cette mort à travers les fonds de l'ECPAD. Je vais vous présenter donc l'usage que j'ai fait de ces clichés, mais aussi de leur apport pour mes recherches. Merci. Tout d'abord, avant d'aborder tout ça, pourquoi ce sujet? Eh bien, il y a peu de travaux sur la mort des aviateurs dans l'historiographie des deux conflits mondiaux, alors qu'il y en a beaucoup plus pour les autres armées. Et donc, l'idée était d'apporter une contribution nouvelle à l'histoire de l'aviateur en France à travers la question de la mort par le biais d'une histoire du corps, et j'entends par là le traitement qui est réservé au corps de l'aviateur à partir du moment où il va être découvert jusqu'à sa sépulture. Quelle est ma problématique? Eh bien, on a plus ou moins tous l'image d'une mort idéalisée de l'aviateur mort, à savoir une mort solitaire avec un corps qui est intact, en fait une belle mort qui cadre mal avec la réalité au sol. Et donc, ce travail avait pour but de lever le voile sur cet imaginaire
en abordant notamment les violences corporelles qui sont engendrées par les crashs, mais également la violence de guerre. Et donc, l'intérêt d'étudier les clichés de l'ECPAD avait donc pour objectif de voir comment l'institution militaire montre la mort de l'aviateur, comment elle va diffuser, représenter cette mort, et est-ce qu'il y a une évolution entre les conflits mondiaux. On va également voir la manière, donc aussi, qu'est-ce que révèlent ces photographies de la violence de guerre et du traitement funéraire réservé au personnel navigant, donc les pilotes, les navigateurs. Ces documents ont été plutôt faciles d'accès, et donc j'ai pu effectuer des recherches grâce à la base de données de l'ECPAD en tapant des mots-clés, également des dates donc en lien avec ma période d'études. Combien de clichés ont été recensés ? Tout d'abord, je me suis appuyée sur l'étude d'une ancienne chef des fonds de l'ECPAD, Véronique Globinoff, qui a recensé 272 clichés. Et pour l'armée de l'air, donc j'en ai recensé, pour la Première Guerre mondiale, bien sûr, 38. Bon, c'est certainement lié au fait que c'est une armée récente, une arme récente, c'est même pas encore une armée lors de la Première Guerre mondiale. Donc voilà. Pour la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu trouver 35 tirages photographiques. Par contre, dans ce tirage, on a à peu près la moitié qui proviennent donc du service photographique de l'armée française, mais on a également une autre partie qui provient d'un fonds allemand, qui est la Propaganda Companion. Et ces clichés de la Seconde Guerre mondiale sont particulièrement inédits pour mon travail, puisque dans la presse, on va trouver très peu de clichés relatifs à la mort. Voilà pour cet état des lieux. Ensuite, j'ai décidé de classer ces clichés en trois thématiques, à savoir les cadavres, qui est la mort montrée, les funérailles et les stèles funéraires. Donc vous avez ici deux diagrammes, l'un pour la première et le second conflit mondial, et comme vous pouvez le constater, on a une majorité de clichés où on va retrouver des cadavres, ce qui peut paraître assez étonnant, et, mais aussi beaucoup de funérailles. A contrario, il y a très peu de clichés de sépulture. Quelles sont les méthodes qui ont été employées pour analyser ces clichés ? Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, bon, c'est un exemple, j'ai tout analysé sous forme de tableau. Donc, j'ai procédé à une analyse descriptive où j'ai renseigné le lieu de la prise de vue, le cadrage, la date, parfois l'auteur, la nationalité du sujet. Et ensuite, j'ai tout analysé en série grâce à ce qu'on appelle une méthode quantitative. Pour les dépouilles... Pour les dépouilles de la Première Guerre mondiale, je voulais par exemple savoir quels étaient les critères de censure qui étaient appliqués. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, généralement, c'est lorsque le corps est découvert, le visage est découvert, mais aussi la censure s'applique automatiquement aux aviateurs français, moins aux Allemands, et aussi selon le cadrage, aussi le plan, plus il va être rapproché, il y a plus de chances que la censure soit appliquée. Concernant le second conflit mondial, j'ai également voulu mener une étude en série où il était question de voir donc la violence de guerre et des crashs grâce à ces clichés. Mais j'ai également confronté ces clichés de l'ECPAD avec des rapports d'identification, donc des sources écrites. Et comme vous pouvez le voir sur ces diagrammes, donc on a des résultats qui sont très contradictoires, c'est-à-dire que sur les clichés, on va retrouver beaucoup de dépouilles complètes, donc intègres, et alors que, à contrario, dans les comptes rendus, on va en trouver très peu. Ce sera généralement des corps en morceaux incomplets. Et donc on peut émettre l'hypothèse suivante, c'est qu'on a voulu certainement épargner le public d'un certain seuil de violence, ou alors peut-être que les corps étaient tellement dégradés qu'il était impossible de les photographier. C'est voilà, deux hypothèses. On a également un troisième donc c'est les calcinés et les aviateurs morts de brûlures. Donc il faut savoir que c'est une des causes de mort des aviateurs, ils en ont même très peur. J'ai un témoignage par exemple de l'as Roland Garros qui disait qu'il avait extrêmement peur de cette mort, notamment parce que son corps serait inidentifiable ou en très mauvais état. Donc c'est une peur qu'il avait. Ensuite,
concernant les obsèques et les sépultures. Donc j'ai également employé cette méthode quantitative pour mettre en évidence les pratiques funéraires, mais aussi les inégalités dans le traitement des morts. Puisque, surtout pour la Première Guerre mondiale, on parle d'une égalité du traitement des morts. Et finalement, dans l'aviation, on sent qu'il y a quand même une différence. On peut le voir donc avec ce cliché qui l'atteste. Il s'agit des funérailles du commandant Tricorneau de Rose, qui est un as de la Grande Guerre, mais également il a été le créateur de l'aviation de chasse, donc qui est mort d'un accident pendant la guerre. Et donc on peut voir que ces funérailles sont particulièrement grandioses. En plus, elles sont médiatisées, on prend des photos. On a un cortège qui est impressionnant, avec donc des soldats qui proviennent même d'autres armées. Et on a également le corbillard qui est tiré par 6 chevaux, donc c'est pas rien. On peut également dire la même chose pour l'as Marin Lamellet, donc qui est un as de la Seconde Guerre mondiale, qui lui aussi bénéficie d'une cérémonie funéraire spectaculaire. Donc c'est également lié à son statut, son grade et son statut. Concernant les clichés de sépulture, donc elles sont généralement propres aux morts de l'aéronautique militaire. Je vous ai mis ici l'extrait d'un film de propagande allemand. On peut voir 2 officiers français qui sont inhumés par des Allemands. On peut voir que les honneurs leur sont rendus. Il y a des couronnes mortuaires qui sont déposées sur le cercueil. Et surtout, on a les casques des pilotes qui ornent les tombes. Et en plus, donc, comme on peut le voir encore, ce sont des tombes d'officiers qui sont photographiées. On peut également voir l'inscription suivante que vous pouvez voir ici. Je vous dis la traduction française. Tomber comme un ennemi courageux. Donc on voit bien qu'il y a un respect pour ces aviateurs. Il faut savoir aussi que c'est un film de propagande qui vise à promouvoir la civilité des Allemands. Et voilà. On a également d'autres clichés. Donc, comme celui-ci, on peut voir donc, la tombe d'un officier allemand avec à côté l'hélice de son appareil qui se trouve à côté de la tombe et donc permet de l'identifier. Donc c'est vraiment propre à l'armée aérienne, on ne le retrouve pas pour les autres armées. Maintenant, j'aimerais vous présenter des clichés que j'ai trouvés particulièrement inédits, qu'on trouve donc, dans les fonds de le CPAD. Vous avez ici un portrait mortuaire, donc il y a 2 photographies, vous verrez, du capitaine Louis-Robert de Beauchamp, qui est commandant d'une escadrille de chasse, qui est officier, et en plus de cela, donc il est qualifié d'as par la presse. Bon, pourtant, il n'a pas les 5 victoires requises, parce que pour être un as, donc dans l'armée de l'air, il faut détenir au moins 5 victoires. Il est également issu d'une famille noble, et donc ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il a quand même, il bénéficie d'un traitement exceptionnel. Vous pouvez voir, le cliché date de 1916, c'est juste après Verdun. On est proche du front, puisqu'on est au camp de Souilly-sur-Meuse. Et malgré tout, il va donc pouvoir avoir ce cliché qui va être fait. Ces prises de vue sont peu courantes, comparé en tout cas à tous les clichés que j'ai pu voir. Ces clichés-là n'ont pas été diffusés. Et certainement, c'était pour... je suppose, pour ne pas démoraliser l'arrière, en présentant le corps d'un des leurs. Pour recontextualiser ce cliché, on apprend que le capitaine est resté 3 jours dans une chapelle ardente, ce qui est encore aussi rare pour la période. Et donc, comment cette veillée mortuaire est-elle mise en scène? Eh bien, comme vous pouvez le constater, on peut voir des draps blancs qui rappellent le sommeil du défunt. On peut également voir des signes religieux. On a un crucifix sur sa poitrine. On a également une rose fanée. C'est vraiment symbole de cette veillée mortuaire. On constate également que le corps a été toiletté. On a trouvé le temps de toiletter son corps. Et aussi, chose très intéressante, lorsqu'on lit la presse, donc la guerre aérienne illustrée, on apprend que le pilote a été frappé en plein front d'une balle. Or, comme vous pouvez le voir sur le cliché, ce n'est pas le cas. Et du coup, là, ce que je tiens à souligner, c'est justement l'intérêt de ce type de cliché, de croiser ce type de cliché avec d'autres documents, d'autres sources. Pour conclure, donc, ce cliché a pour vocation de montrer la belle mort de l'aviateur
et a certainement pour vocation de garder un souvenir du disparu et de maintenir un culte en sa mémoire. Enfin, j'aimerais vous présenter deux derniers clichés que j'ai trouvés aussi assez impressionnants et très intéressants. Il s'agit d'un cliché de propagande de la Luftwaffe, donc de la Seconde Guerre mondiale, où on voit un reporter qui est en train de filmer un aviateur soviétique. Et donc là, on peut remarquer que vraiment ces photographies sont un outil de propagande où le corps se substitue à un trophée de guerre. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui est plutôt courante dans l'aviation, puisque à chaque fois qu'un aviateur était abattu, systématiquement, pratiquement, on photographiait donc la victime. Aussi, on peut également remarquer que l'aviateur est mort à cause d'un saut en parachute, ce qui est assez fréquent. Et donc voilà, ça met vraiment en évidence l'une des causes de mort des aviateurs qui est caractéristique de la Seconde Guerre mondiale, puisque lors du conflit mondial, les aviateurs n'avaient pas de parachute. Pour conclure, donc je dirais que ce fond iconographique et cinématographique de l'ECPAD est incontournable, en tout cas pour ce type de recherche, puisqu'elle permet, comme je vous l'ai montré, de faire des études quantitatives, qualitatives, avec des sources parfois hors du commun. On constate également, lors de ces prises de vue, une logique de propagande. On va montrer l'ennemi abattu, des funérailles glorieuses, celles du héros, de l'officier. Et on va également montrer une guerre aérienne propre, alors qu'en réalité, elle est beaucoup plus sale, elle est beaucoup plus violente, en tout cas, lorsqu'on lit les sources écrites ou même les rapports médicaux ou autres sources. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Colline. Je passe maintenant la parole à Linda Garcia-Dornano donc, pour son intervention « La mort dans l'objectif des reporters militaires français pendant la guerre d'Indochine ». Oui, merci, merci Floriane et merci à l'ECPAD pour cette invitation à parler devant vous. Alors moi, mes recherches ont pour but de mettre à jour le contexte de production des images réalisées par les reporters militaires pendant la guerre d'Indochine. Donc j'essaie d'apprécier ce qui est nouveau dans les représentations et de caractériser la pratique des reporters militaires et de la replacer dans une histoire élargie de la photographie de guerre. Donc j'ai établi une typologie des images qui pouvaient figurer la mort pour tenter déjà de mettre à jour ce qui motive leur production. Donc, il y a d'abord des cadavres qui sont figurés à l'image avec d'autres éléments iconographiques. Alors, leur présence signale en général l'intensité des combats lors desquels les photographies ont été prises. Par exemple, dans ce cliché de Pierre Ferrari, lors des combats de Ban In Sue, un parachutiste vietnamien vient de s'emparer de l'arme d'un soldat Viet Minh dont il enjambe le corps inanimé pour regagner au plus vite le poste. Donc ici, l'intensité des combats est aussi traduite par l'expression grimaçante et la silhouette floue du soldat prise sur le vif. Fernand Gentil va réaliser une autre photographie dans le même genre qui va traduire la promiscuité des vivants et des défunts en temps de guerre. Donc il place au premier plan de sa composition deux corps recouverts d'une bâche qu'on ne reconnaît comme telle que grâce aux chaussures qui en dépassent, et laisse dans le flou de l'arrière-plan des soldats blessés ou au repos, qui se tiennent assis, donc apparemment indifférents ou seulement là. Et là, on retrouve ce que tu disais, Constance, aussi sur les clichés de la Première Guerre mondiale, en fait, cette attitude des vivants qui peut choquer un public non informé face aux défunts, cette attitude un peu d'indifférence ou de lassitude. Un deuxième groupe de photographies comprend les représentations de cadavres seuls qui sont saisis de façon isolée ou regroupée. Alors, comme la photographie qu'on trouve à gauche. Alors, se poser la question de l'intention de composition dans ce genre d'image, évidemment, est délicat. Mais là aussi, il y a des partis pris de la part des reporters, comme celui de montrer ou non les visages.
Alors, le fait de montrer ou pas les visages, ce n'est pas rédhibitoire du point de vue de la censure, étant donné l'accessibilité de plusieurs clichés révélant le visage de ces morts au combat. Le seul interdit semble reposer sur leur aspect, en fait. Les visages sont visibles à l'image lorsqu'ils ne sont pas trop mutilés et qu'on peut reconnaître que ce sont des visages. C'est un peu dur à dire, mais c'est le vrai. La représentation de morts en nombre ne constitue pas non plus un tabou. Par exemple, il y a des clichés de soldats vietnamiens empalés sur des pics qui servaient de défense au poste tenu par le corps expéditionnaire français. Alors, est-ce qu'il existe une différence de traitement dans la représentation des morts selon qu'il s'agit d'un soldat ami ou ennemi ? Oui, il y a plus de réticence à montrer les soldats morts au sein du corps expéditionnaire français. Et lorsque c'est le cas, leurs corps sont presque toujours invisibles. Donc, ils sont pudiquement recouverts d'une bâche ou déjà enterrés. Ils ne font pas l'objet de représentations isolées, à de rares exceptions. D'autre part, il n'y a pas non plus d'outrance dans les représentations de la mort de l'ennemi. Et quand celle-ci est montrée, il n'y a pas de gros plans sur les visages, pas forcément d'abondance de sang. Et on trouve aussi quelques rares photographies de trophées dont on a parlé déjà un peu avant, où le soldat a manifestement posé devant un tué vietmin. Et enfin, donc un troisième sous-groupe de photographies va témoigner cette fois de l'intention, de l'attention portée à la dépouille des camarades tués et témoigner des hommages rendus aux morts. Donc, les photographies vont montrer le transport, l'évacuation des corps. Et lorsque ceux-ci ne sont pas possibles, le recueillement des soldats devant les tombes fraîchement creusées. Donc, à travers la représentation des messes funéraires, des sépultures, la matérialité du corps est occultée et la mort est évoquée de façon sublimée ou symbolique. Par exemple, sur ce cliché pris par Perrault d'une messe en plein air à l'arrière-plan, on distingue deux monceaux de terre indiquant les tombes. Et Perrault traduit ici vraiment le dépouillement de cette cérémonie religieuse, mais aussi la persistance des rites de communion, malgré la précarité dans laquelle vivent les unités sur le terrain. Donc c'est vraiment une photographie qui est composée par Perrault. Il utilise un plan large, il met en évidence l'espace vide qui sépare le groupe de soldats avec le prêtre d'une part, et le militaire à genoux d'une part et les autres spectateurs, ceux qui communient, les autres soldats qui communient. Et ce vide ajoute vraiment la désolation de la scène. Il y a aussi ce fond brumeux qui les isole plus encore. Et puis les protagonistes apparaissent de dos ou de trois quarts, comme autant de figurants anonymes unis dans un recueillement dont la portée se veut universelle. Et d'autres compositions vont associer la représentation de sépultures à la continuation de la mission des survivants. Par exemple, on va voir des tombes et puis à l'arrière-plan, des chars qui avancent. Alors, ce qu'on peut dire, pour faire une première conclusion, c'est qu'on a affaire à une production évidemment sous contrôle. Elle est soumise à l'autocensure des photographes par pudeur, qui choisissent ou pas par pudeur personnelle de photographier les corps, aussi par conviction personnelle, mais aussi parce qu'ils ont intégré les interdictions plus ou moins explicites émises par l'encadrement militaire. Aux formes d'autocensure s'ajoute aussi la censure militaire, dont les différentes étapes restent difficiles à définir sur l'image. Il n'y a pas vraiment d'archives écrites qui abordent directement la question de la censure des images pour la période de l'Indochine, je parle. Mais contrairement par exemple à celle qui s'exerce sur les télégrammes de presse, ça on retrouve des choses assez précises. Mais grâce aux témoignages des reporters de l'époque, on a pu définir les étapes du processus de production photographique et aussi celle de la censure.
Donc, en fait, comment ça se passait ? Un premier tri se faisait au laboratoire, sur place, à Saïgon, ou à Hanoï, où on développait les images qui avaient été prises par les reporters militaires. Et voilà, on faisait un premier tri devant les épreuves qui étaient tirées. Donc, on sait que les doublons étaient écartés. Les photographes, parfois, prenaient pour eux certains doublons. Et puis, il y avait des photographies qui disparaissaient. La sélection était soumise à la censure qui faisait une extraction des photographies frappées d'interdiction, soit pour les détruire, soit pour les placer sous coffre. C'est ce que disent les témoignages des reporters militaires. Et les registres de légendes aussi qui sont conservés à l'ECPAD, c'est une source très intéressante en complément des photographies du fond d'image. Suggère vraiment cette censure. Par exemple, pour certains reportages, on peut passer de la légende numérotée 4 à la légende numéro 11. Donc on voit qu'il y a un trou entre les légendes, et souvent ce trou, ça correspond à des moments de combat, dans des reportages justement où il y a eu sans doute un affrontement. Et puis, il y a aussi, c'est intéressant, les registres de légendes nous montrent aussi qu'il y a eu une censure qui s'est effectuée au fil du temps de façon différente. Par exemple, il y a des légendes qui apparaissent dans ce registre comme soldat Viet Minh tué avec son arme, mais la photographie n'est plus accessible. Donc, il y a eu plusieurs façons de contrôler la diffusion de ces images. Alors, et puis peut-être autre dernière preuve du contrôle de l'image militaire, à cette époque, bien sûr, c'est qu'il n'y a pas vraiment de représentation de victimes civiles. Donc, alors, quels sont les usages de ces images ? Alors, déjà, il y a des publications dans la presse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette publication dans la presse, ce que voulait le général Delatte de Tassigny, qui est commandant en chef à partir de 1950, pour les images prises par les reporters militaires, c'était que ces images, elles servent en fait dans la presse à communiquer sur les efforts des soldats français engagés en Indochine. Or, ces photographies sur la mort, elles sont peu utilisées. Par exemple, j'ai noté que 3 occurrences dans Paris Match. Et dont, par exemple, celle-ci qui concerne les soldats Viet Minh, où on voit des coulis sur le bas-côté d'une route. En fait, on pourrait les croire endormis si la légende ne précisait pas qu'ils ont été tués par une explosion. Ce qui est bizarre parce qu'ils n'ont pas l'air d'un... Enfin, je suis quand même assez sceptique sur le fait qu'ils aient été tués ou pas. Et, bon, bref, en tout cas, la légende dit ça. Il y a une occurrence qui précède celle-ci où on voit des corps Viet Minh, mais plutôt comme un peu une masse informe. C'est aussi assez mis à distance. Donc ça, on est dans Paris Match. Et puis il y a une autre occurrence qu'on verra sur Dien Bien Phu, mais que je vous réserve pour plus tard. Il y a, on peut passer au slide suivant. Voilà, et c'est pour maintenant d'ailleurs. Donc au moment de Dien Bien Phu, voilà, ça c'est vraiment choquant pour, c'est la seule occurrence vraiment choquante dans Paris Match sur la guerre d'Indochine. Il y a en effet ce corps calciné qui est voilà, et c'est très curieux aussi parce que en fait cette image ne correspond, n'a pas été prise à Dien Bien Phu, en tout cas pas pendant les combats de Dien Bien Phu. Et Paris Match utilise en fait des images très frappantes, très, très choquantes, réalisées par Perrault, mais à un autre moment, pour lors de l'opération Pollux. Bon, bref, je vous épargne le détail, mais en fait, n'utilise pas les photos qui ont été prises au moment des combats de Dien Bien Phu. On peut passer au slide suivant. Alors là, il y a une autre revue, donc Paris Match, bon, revue grand public, équivalent du Life américain pour la France. Il y a une autre revue, Indochine Sud-Est Asiatique, qui est une revue militaire, mais qui avait un très fort tirage, et la volonté de cette... à cette époque, était de faire de cette revue aussi une revue grand public, pas seulement destinée aux militaires. Alors, il y a aussi quelques occurrences, mais très peu. J'ai noté que 7 occurrences dans Indochine Sud-Est Asiatique de corps tués.
Et là, en fait, il y a aussi quelque chose de très... une sorte de, voilà, de dichotomie. Donc, en effet, en général, bah, voilà, le corps ennemi est plutôt exhibé, voilà, comme ici, lors de, d'une brigade fluviale. On voit donc un corps Viet Minh pris en, en plongée. Et sinon, donc voilà, évidemment, le corps du soldat ami est très, très peu représenté. J'ai trouvé cette occurrence-là où, en effet, on est vraiment... C'est une photographie qui est prise par Raoul Coutard et on est vraiment dans une vision très, très douce de la mort avec ce soldat qui se recueille, qui tient la main, qui semble vérifier le pouls de... Du soldat vietnamien à ses pieds. Et il y a aussi, on sent bien aussi que souvent la mort est édulcorée dans les légendes. Souvent, on va dire que les soldats sont tombés ou sont touchés. On ne dit pas vraiment qu'ils sont tués. On n'utilise pas le mot. Donc aussi dans le langage, c'est quelque chose qui est utilisé pour voilà édulcorer la mort. Et puis, comme tu disais très bien, Constance, je te rejoins tout à fait avec Diem Bien Phu. Eh bien, c'est vraiment un bouleversement dans la représentation de la mort. C'est vraiment l'éruption d'une iconographie du chaos. Il n'y a plus du tout chez les reporters, enfin, c'est chez Camus et chez Perrault, qui sont les deux photographes qui sont en effet présents lors des combats de Diem Bien Phu, plus de volonté du tout de montrer la souffrance ou la misère sous un aspect sentimental. Il n'y a plus du tout de sentimentalité. Et c'est vrai que c'est assez... quand on est plongé dans ces images, on voit quelque chose de nouveau. Il y a par exemple cette obsession pour ce lieu où les blessés, donc je vous ai montré plusieurs images ici, où les blessés et les morts sont entreposés dans l'attente d'une évacuation sanitaire par hélicoptère. Donc ce sont les images des dernières évacuations qui sont disponibles à l'ECPAD, parce qu'après, à partir du 27 mars, il n'y a plus de possibilité, l'aérodrome est détruit, donc il n'y a plus d'évacuation possible pour... le camp est asphyxié. Et donc on voit, par exemple, vous voyez des images du haut, en fait... elles ont été prises sous plusieurs angles. On voit que les reporters ont cherché, voilà, ils ne se sont pas limités à une seule photographie, ils ont essayé de montrer cette étendue, cette nudité, ce dénuement-là de plusieurs façons. Et puis, ils sont venus aussi à plusieurs moments. Quand on voit les deux photos du bas, on voit, alors je me suis repérée avec les cercueils qui sont malheureusement toujours là, Donc c'est vraiment le même endroit, puis le baril, là, le tonneau. Là. Et en fait, on se rend compte que les corps ne sont pas les mêmes, qu'ils ont été déplacés, qu'ils ont été manipulés. Donc l'espace a vécu, il y a des corps qui ont été déplacés. Et voilà, ils sont revenus plusieurs fois, ils ont utilisé plusieurs appareils. Un appareil, le relais flex, et puis un appareil 24-36. Donc il y a vraiment cette obsession de photographier les cadavres en masse. On peut passer à l'image suivante. Et oui, donc en fait, on voit qu'on... À Diem Bien Phu, je vous disais que c'était une iconographie du chaos, toutes les photographies attestent vraiment de la confusion qui règne, des désordres militaires, mais aussi psychologiques. Donc c'est vraiment une situation inédite. Aussi pour les reporters, je pense qu'ils s'autorisent à représenter la mort de façon aussi inédite. Par exemple, les blessés, les morts sont réunis, ils se confondent. Ça, c'est quelque chose, pareil, je pense qu'on n'avait pas forcément vu avant, quitte à parfois plus savoir qui est vivant, qui est mort. Et puis, tabou ultime, tabou photographique ultime, parce que c'est cette dernière image, parce qu'en fait, il y a aussi la représentation des blessés qui est intéressante à réfléchir en parallèle à la représentation des morts. Les blessés dans les fonds sont souvent montrés accompagnés en fait de gens qui s'occupent d'eux, etc. Donc c'est vraiment un tabou ultime parce qu'on voit donc un abri qui a été détruit par un bombardement, par le bombardement par un obus de mortier Viet Minh, et on a ce blessé qui gît au sol. Voilà, les blessés ne sont plus tranquilles non plus, et ça c'est vraiment
une image, je pense, très très forte et pas vue jusque-là, dans les fonds de l'ECPAD. Voilà, et donc je voulais vous montrer comment c'est représenté dans la presse, Diem Bien Phu. Donc c'est intéressant parce que aussi dans la presse, ça bouleverse aussi, ça évolue dans la façon de représenter la mort liée à la guerre d'Indochine, mais évidemment sans rattraper l'extrême dénuement qui caractérise les images qu'ont prises Perrault et Camus. Par exemple, c'est intéressant, là, ils ont utilisé une image qui a été prise par Perrault, à la fois dans Paris Match et à la fois dans Indochine Sud-Est Asiatique. C'est vraiment des photos qu'on peut voir pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu ces photographies de combat, un peu à la CAPA, on est au plus près de l'action. Et puis, voilà, on voit ces hommes, ces soldats qui sont à terre. Et qui sont, alors, Paris Match, dans la légende, ne précise pas ces soldats. C'est marrant, la légende ne n'explique pas du tout ce qu'il y a sur l'image. Et Indochine Sud-Est Asiatique va dire qu'ils sont touchés, que les soldats ont été touchés. Slide suivant. Et quand on regarde les fonds de l'ECPAD, ça c'est intéressant, c'est qu'on voit deux images. Je ne peux pas vous dire laquelle a été prise avant ou après, mais la légende semble être plutôt que ce sont des soldats qui rampent en fait. Ils sont en effet sous le feu ennemi, ils rampent. On les voit tous les trois debout, et dans cette image, ils sont couchés. Donc je pense qu'ils sont plus couchés en protection. Là encore, je ne sais pas sûr qu'ils soient tous les trois tués à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que finalement, dans leur usage dans la presse, finalement, on se moque un peu de savoir s'ils sont morts ou pas, mais c'est utilisé comme une preuve de la souffrance du martyr des soldats français au moment de Diem Bien Phu. Donc pour conclure, c'est très intéressant en effet d'utiliser, de réfléchir et d'étudier la représentation de la mort aussi dans les fonds de l'ECPAD, parce que ça renvoie déjà à la dualité ontologique du médium photographique qui est capable d'enregistrer la réalité, mais aussi de montrer de créer de l'illusion. Et là par exemple, voilà, c'est l'extrême polysémie de l'image photographique est vraiment exploitée à fond, en tout cas par la presse, avec ces morts qui n'en sont peut-être pas. Et puis on retrouve toutes des fonctions de la photographie qui sont des fonctions de l'image de guerre qu'on a pu voir dans d'autres conflits, la photographie de propagande par exemple, avec les images de cadavres ennemis, mais aussi la photographie preuve peut-être de ce qu'ont essayé de faire Camus et Perrault au moment de Diem Bien Phu. Voilà, merci. Merci beaucoup, Linda. Avant d'ouvrir les questions à la salle, je vais me permettre de poser une première question. Je voulais savoir en fait comment vous avez toutes les deux, et même toi aussi Constance, dans ta pratique de documentaliste, une tentative de classement quand même, de thématisation de ces images. Je voulais savoir en quoi cette thématisation était donnée par les fonds, ce qui venait de votre recherche, de vos intuitions de recherche. Et aussi ce que pouvaient apporter justement ces archives photographiques sur les autres sources que vous avez pu consulter dans vos recherches, comment elles se complètent et qu'est-ce que ça vous a apporté en fait en termes de recherche historique. Me concernant, pour les thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, je me suis inspirée de l'article qu'a écrit Véronique Globinoff, où justement elle parle de toute cette thématisation. Après, c'est vrai que lorsque je faisais mes recherches, généralement tout était classé, donc sépulture, les funérailles, etc. Donc c'est vrai que c'est comme ça que ça s'est fait. Après, ça s'est fait de manière manuelle. Enfin, finalement, j'ai pas eu autant de problèmes que ça, en tout cas, pour identifier si la personne était bien morte, etc. Enfin. Et ensuite, l'autre question, c'était... Ah oui,
Comme je vous l'ai montré, pareil pour là, c'est capitaine Louis-Robert de Beauchamp. C'est un exemple concret où les sources, pour le coup, se complètent, où on voit que la blessure n'est pas là grâce à la photographie, donc c'est vraiment très utile. Ou pour c'est vrai que parfois dans les sources écrites, il n'y a pas tout, notamment les veillées funéraires. C'est vrai que pour l'aviateur, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sait au départ, surtout qu'on est dans un conflit de masse. Quand on voit les poilus, tous sont traités de la même manière, restent sur les champs de bataille. Je ne pense pas qu'il y ait, en tout cas, de veillées funéraires. Voilà, un exemple. C'est vrai que, si je comprends bien ta question, c'est un peu un aller-retour. On est à la fois avec... surtout l'image de guerre, c'est Laurent Gervereau qui dit que l'image de guerre est toujours... c'est une iconographie, c'est une image pauvre, parce qu'on peut avoir cette impression que c'est toujours les mêmes images. Donc on vient avec aussi toutes les images qu'on a déjà en tête, des autres conflits qui font partie de notre inconscient. Donc on recherche des images qu'on a déjà vues. Par exemple, pour Diem Bien Phu, on peut rechercher des images de la Première Guerre mondiale parce que ça, on y voit des tranchées. Donc tout de suite, ça vous fait penser à ça, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir l'œil neuf, et ce qui fait que, voilà, comme le disait Constance, elle aussi, malgré la très bonne connaissance qu'elle a des fonds, ça lui permet de voir, en effet, de bien connaître aussi son sujet, et une sorte d'iconographie permet de voir ce qui est différent, et ça permet en effet de faire émerger des iconographies différentes. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Oui. Je me permets juste d'intervenir, c'est que malheureusement nous n'avons pas de photographie de cet événement à Ousbin, hein, que l'on connaît tous très très bien, mesdames. Oui. Alors c'est aussi la question aujourd'hui que les photos viennent de partout et de tout un chacun. Voilà, c'est vraiment la preuve de ceci, et donc nous, il n'y avait pas de reporter français militaire à ce moment-là. Donc après, Paris Match a sa ligne éditoriale et choisi de faire et de prendre les images qui existent sur le sujet. Peut-être quelqu'un d'autre ? Madame, oui. Faire une petite question, une observation concernant les photos prises par les officiers allemands des parachutistes tombés. Notamment parmi ces parachutistes, il y a les FFL, et donc eux qui ne sont pas considérés comme des soldats qui ne sont pas dans la légalité puisqu'ils désobéissent aux accords d'armistice. Donc, n'est-ce pas plutôt pour... les Allemands ne font-ils pas cela pour identifier ces soldats? Ce serait un argument autre que la propagande, parce que notamment à partir du moment où il y a la circulaire qui est telle, les Allemands peuvent entreprendre des recherches pour des représailles contre les familles de ces soldats. Voilà. Donc, est-ce pour... avoir des informations et organiser une répression.
qu'il y a ces photos. Alors, on peut supposer qu'à partir du moment où les compagnies de propagande allemande prennent des images, qu'elles soient preuves ou qu'elles soient... voilà, juste parce que l'opérateur était là, qu'il peut y avoir plusieurs usages. Et évidemment, un usage de renseignement, voilà, les photos seront toujours à la base d'une démarche de faire du renseignement, de provoquer effectivement la récupération d'informations. Ce n'est, la photographie, finalement, et la publication, la diffusion des photographies, ce n'est pas seulement un but en soi, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas la finalité. Évidemment, ça fait partie... de programmes de recherche et de renseignement de la part de l'armée allemande. Oui, et votre question soulève une interrogation intéressante. En fait, c'est un cliché qui va ressortir, qui va être mis en exergue, que ce soit par une diffusion ou par l'intérêt d'un chercheur, mais finalement, il fait partie d'un reportage. En général, il est dans une globalité. Et c'est aussi une utilisation par un choix précis d'une image à un moment donné pour transmettre un message. Voilà, donc il y a plein de questionnements qui peuvent aussi venir quand on, voilà, quand on a le reportage en entier. Parfois, il peut même arriver que certains reportages soient utilisés avec un changement d'ordre des images qui, en fait, ne reflètent plus la continuité chronologique. Voilà, donc il y a plein de manipulations possibles, finalement, d'une image au sein d'un groupe d'images. Oh. Peut-être une autre question ? Oui, une question concernant le statut des reporters militaires vis-à-vis des autres photojournalistes, de poser la question des accès, peut-être, à, du coup, qui permettent de produire des images. Et après, j'aurais aussi juste une interrogation. Il y a un vide entre les deux guerres mondiales, et je pensais à la guerre d'Espagne. Il y a eu les brigades internationales. Je me suis, enfin, demandé s'il y avait des volontés ou pas d'acquisition sur des périodes de ce moment-là, où peut-être l'armée française n'a pas été présente quelque part, mais d'une manière parfois si, quoi. D'accord. Alors, pour les brigades internationales, je vais commencer par cette question. C'est pas l'état-major français qui va envoyer des soldats là-bas. Donc, c'est pour ça. Nous, c'est vraiment, depuis 1915, la section photographique de l'armée, dont le CPAD est vraiment l'héritier direct, hein, aujourd'hui. C'est vraiment couvrir l'action officielle de l'armée française. Voilà. Donc, de fait, voilà, pendant la guerre d'Espagne, c'est pas les reporters militaires français qui seront dépêchés sur place. Voilà. Et pour la première question, alors je ne sais pas quelle période vous parlez du statut des reporters militaires, toute période confondue. Alors, ce sont des militaires, déjà, ça c'est important. Ce sont des. Voilà, qui sont avant tout militaires, avec une spécialité, ils sont photographes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le terrain, ils sont équipés comme des militaires, c'est-à-dire qu'ils sont armés, ils portent sur eux tout un matériel militaire, le gilet pare-balles, voilà, quand ils partent en opération extérieure, mais ils sont également leur matériel technique, ça équivaut le tout à presque 50 kilos à porter sur le dos, voilà, avec des boîtiers, notamment quand ils partent, voilà, pendant les opérations comme Serval ou Barkhane, dans le désert, il faut pouvoir suivre les opérations. Donc ce sont des militaires, mais c'est toujours intéressant de les rencontrer à l'occasion. Venez aux Journées du patrimoine au Fort d'Ivry, vous pourrez leur poser des questions voilà, sur justement leur fonction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1915, quand la section photographique de l'armée est créée, c'est pas encore une spécialité, la photographie. Du coup, on va aller chercher quand même dans des maisons de photographie, des photographes et des caméramans expérimentés qui ont déjà des maisons de cinéma, par exemple, comme Éclair ou Pathé, qui vont vraiment être incorporés dans cette nouvelle section. Et voilà, il y a une professionnalisation au fur et à mesure, on va dire, du conflit et des siècles, jusqu'à aujourd'hui, avoir vraiment des militaires qui sont des professionnels de l'image et qu'on appelle soldats de l'image. Oui, et cela recouvre en fait cette progression, ça recouvre aussi le changement des conflits, puisque voilà, en 1915, c'était des conscrits, voilà, donc on pouvait
prendre des gens qui avaient une spécialité de photographie au civil, qui étaient conscrits et qui finalement devenaient des opérateurs pour l'armée. Alors que maintenant, ce sont des soldats professionnels qui ont une formation spéciale et qui, en plus de cette formation, alors ça peut être des soldats à la base qui ont cette formation après au cours de leur carrière ou des photographes qui deviennent militaires pour pouvoir justement couvrir ces conflits. Il y a les deux cas qui arrivent, mais dans tous les cas, ils suivent la même formation militaire, comme le disait Constance. Ce qui permet aussi de couvrir des conflits là où l'armée refuserait pour tout un tas de raisons pratiques, logistiques et aussi de contrôle de l'information, puisque c'est quand même très important que la photographie ne donne pas d'informations aux ennemis. Enfin, voilà, il y a quand même une sens. Enfin, c'est quand même très très important de contrôler finalement aussi ce qui peut être vu par l'ennemi. Donc ça permet d'avoir un militaire sur place qui va témoigner et qui va pouvoir obéir, entre guillemets, à l'état-major et à ce que l'état-major souhaite voir publié dans les actualités. Et notamment, les images sont... Quand ils partent, ils ont aussi les moyens de transmission, car ils doivent transmettre leurs images et leurs reportages le plus rapidement possible pour que les actualités puissent les utiliser ensuite. Oui, madame. Alors, moi, ma question concernait l'usage des drones aujourd'hui. Est-ce que les drones, est-ce qu'il y a sur le site des images qui ont été prises par les drones ou pas encore ? Alors, sur le site internet imagedefense.gouv.fr, je ne saurais vous le dire si on a déjà mis des images de drones. Je pense que c'est tout à fait possible. En tout cas, il y en a beaucoup, ça c'est certain. Ça fait partie, c'est ce qu'ils emmènent aussi en opération extérieure. D'ailleurs, nos photographes et nos caméramans, ils sont formés. Il y en a, et s'il n'y en a pas aujourd'hui, il y en aura bientôt. C'est-à-dire que, avec le volume de photos numériques qui arrive tous les ans dans nos collections, on approche des 100 000 photos par an, si vous voulez, qui sont produites par nos opérateurs. Le temps que ça soit reversé, ça constitue tout de suite une archive, que ça soit traité, identifié comme tel. Voilà, il faut que ça arrive sur le site internet. Mais dans tous les cas, même si vous n'avez pas le visuel, vous aurez l'information. Dans le catalogue est en ligne et vous aurez l'information image de drone. Voilà. Peut-être d'autres questions ? Ah, au fond, je crois, oui. Vous avez utilisé le terme de photographie preuve, je crois, à un moment. Et je me suis demandé, est-ce que ces photographies ont été utilisées dans le cadre d'institutions de justice, par exemple, par rapport à tout ce qui s'est passé en Bosnie, au Rwanda, etc. Alors, oui, dans plusieurs cadres. Deux exemples. Tout simplement, quand il y a eu un crash, par exemple, d'avion au sud de la Mauritanie, c'était le Rio, Paris, je pense, ce sont nos photographes qui ont suivi le BEA, le Bureau d'études et d'analyse, pour faire les images preuves afin que le BEA, justement, puisse analyser les traces et comprendre ce qui s'était passé pendant ce crash, par exemple. Et puis peut-être avez-vous entendu parler concernant le Rwanda, peut-être avez-vous entendu parler de la commission lancée par le président de la République, menée et présidée par Vincent Duclert. Donc ça, évidemment, le CPAD a mis à disposition toutes les archives possibles qui existent, cette commission, afin que tout soit regardé, analysé. Donc ils sont venus plusieurs semaines consécutives pour regarder tout ce qui avait été produit. Regarder afin de pouvoir établir leur rapport, tout simplement. Après, s'en est suivi, effectivement, des décisions ou non de justice, mais tout à fait, ce sont des images preuves pour cela. Une autre question, oui, madame. Attendez, le micro arrive. En ce qui concerne les fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale, est-ce que dans les photos, il y a des mentions précisées par rapport à ça ? Alors, pas à ma connaissance. Ça fait, j'imagine, pas partie d'un épisode de l'histoire que l'armée a voulu souligner, rapporter, raconter, même si c'était pour marquer les esprits de militaires, sans doute pas pour communiquer auprès de ce qu'on appelle le grand public. Donc, non, nous n'avons pas d'informations sur cet événement, ces événements.
Il n'y a pas de reprise, enfin, parce qu'on est quand même un siècle plus tard. Et enfin, je pense que c'est un événement qui est reconnu maintenant. Quand même. Ah, tout à fait. Ah oui, non, mais tout à fait. Ça, c'est certain. C'est juste que les archives ne sont pas constituées. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver des. Alors, sans doute des témoignages écrits de poilus qui ont connu voilà ces événements. Peut-être des documents papier au service historique de la défense, probablement sur les tribunaux militaires. Voilà, avec des PV, ça c'est certain, mais il n'y a pas eu de prise de vue, de photos ou de films de ces drames. Une autre question peut-être ? Devant, oui. Merci. Bonsoir. J'aimerais savoir quel est le traitement des photos qui sont censurées dans les années passées et puis j'imagine même maintenant. Alors, les photos censurées, il faut savoir qu'on est un centre d'archives. Donc nous, on a une règle de base, c'est le code du patrimoine. C'est-à-dire que le code du patrimoine, on communique les documents. Il y a juste certaines réserves, comme le secret médical, par exemple. Vous savez qu'on ne peut pas communiquer un dossier médical ou des informations médicales d'un individu au-delà de 120 ans, par exemple. Nous, tout est communicable. On n'a pas de choses, on va dire, censurées. Les seules, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des choses qui ont été censurées à l'époque, mais à tort, à l'époque où on faisait visiblement un peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on va dire que ce qui n'est pas communicable, mais qu'on peut demander, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'on peut toujours demander, ce sont tout ce qui a trait au nucléaire, par exemple, tout ce qui est sujet à la prolifération, qui pourrait créer la prolifération des armes nucléaires, par exemple. Il faut savoir que le CPAD détient beaucoup d'informations, de documents sur les essais nucléaires dans le Sahara, dans le Pacifique. Tout ça est communicable, tout ça est numérisé et accessible, à l'exception de voilà, quelques images où là, il y a une commission de classification qui a regardé toutes ces images et qui a dit ça, effectivement, on peut comprendre que là, on peut construire une arme nucléaire. Donc pour le moment, on attend et ça ne sortira pas avant 50 ans. C'est la loi, c'est comme ça. Pour les choses beaucoup plus contemporaines, on est quand même aussi soumis un peu au code de la défense. C'est-à-dire que nous, nos opérateurs, nos soldats de l'image, ils sont dépêchés par l'état-major des armées, qui, en opération extérieure, va vérifier les photos derrière. Comme disait Floriane tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas révéler d'informations stratégiques. On reçoit des informations tout de suite. Et quand ils sont en Irak, pendant l'opération Chamal ou au Mali, dire qu'on a été à tel endroit, à tel moment... Parfois, ce sont des informations qui ne doivent pas être révélées pour le moment. Mais en l'occurrence, ça, ce sont des choses qui n'arrivent pas encore même dans notre base de données, finalement. Voilà. Et juste une dernière chose qui peut aussi poser des barrières à la communicabilité, c'est les décrets sur les forces spéciales ou l'anonymat, voilà, de certains militaires dont on ne peut ni montrer le patronyme ni le visage. Donc ces images peuvent être communiquées, mais après un floutage opéré chez nous par des personnes qui ont les autorisations nécessaires pour pouvoir voir ces images. Voilà. Une autre question peut-être ? Oui, vous l'avez évoqué dans la présentation des fonds tout à l'heure. Je me demandais simplement s'il y avait d'autres services en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, et quel est l'état de leur conservation et de la communicabilité des archives photographiques et filmiques chez nos voisins européens, par exemple. Je ne sais pas si mes collègues ont travaillé sur d'autres fonds, mes camarades. Alors nous, on connaît bien les archives allemandes, hein, les Bundesarchive, dont d'ailleurs on détient une partie des collections. Je pense que Colline connaît également. Mais bon, je ne connais pas exactement leur volume. Hein. Voilà, je ne sais pas. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de réglementation, il me semble, sur le traitement, les obligations et même tout simplement aussi le droit d'auteur, le code du patrimoine. Ça, c'est très, très français. Par exemple, les Américains, on connaît bien la NARA, voilà, sur laquelle toutes les archives sont gratuites, disponibles, etc.
Et puis en Angleterre, je souligne quand même qu'ils mélangent un petit peu les genres, c'est-à-dire que c'est à l'Imperial War Museum, ils ont à la fois, c'est à la fois un musée, un centre d'archives, alors que nous, c'est vrai qu'en France, c'est très divisé et scindé, on a des musées, on a des centres d'archives, voilà. Et donc l'Imperial War Museum, par contre, au niveau de la communication, il me semble que les anglo-saxons sont beaucoup plus, on va dire, libéraux que nous, voilà, et qui mettent beaucoup, beaucoup de choses à disposition. Oui, aussi parce qu'ils ont entamé des travaux de numérisation avant nous. Oui, il y a une dernière, ce sera la dernière question, madame. Voilà. Ah oui, je reviens aux photographies censurées. Tout à l'heure, à propos de l'Indochine, vous évoquiez le fait qu'il y avait la possibilité de les détruire ou de les conserver dans les coffres forts. Celles qui ont été conservées, est-ce qu'elles ont pu réintégrer les collections ou alors est-ce qu'il y a eu un second tri ou alors est-ce qu'elles ont été détruites? Oui. Alors, heureusement, non, elles n'ont pas été détruites. Et alors, aujourd'hui, par exemple, on est dans des campagnes de vérifier ce qui n'est pas sorti, ce qui a été retiré des albums à des périodes. Il faut savoir qu'à la médiathèque, c'est très particulier. On a des albums d'époque, de tirage, pour que les gens puissent consulter, qui datent des années 50, 60, 70, qu'on utilise encore aujourd'hui. Et donc, on fait des inventaires, des récollements. Et évidemment, tout ce qui est lié à l'Indochine, par exemple, n'a absolument pas vocation à être censuré, non communiqué. Tout est communicable et tout est sorti et on numérise tout. On numérise tout, évidemment. Mais bien sûr, complète. Oui, en fait, ce que en fait, les recherches ont pu mettre à jour, c'est qu'au moment de la guerre d'Indochine, et ça c'est tout à fait, en plus on peut très bien imaginer, les photographies étaient faites par les reporters, elles étaient tirées en laboratoire, et ça les reporters l'ont dit, quand elles étaient développées, les doublons par exemple ont été retirés, sans doute s'il y avait des... Enfin, et ils l'ont dit eux-mêmes qu'il y avait des photographies qui étaient mises de côté, écartées, voilà. Après, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Moi, personnellement, en tant que chercheuse, j'ai pas de témoin, enfin, je peux pas vous dire. Mais ce qui est sans doute intéressant, c'est que, par exemple, on peut parfois, dans les fonds privés des photographes, par exemple, il y a, parmi les reporters de la guerre d'Indochine, il y a Raoul Coutard, qui est devenu célèbre après, parce que c'est un des très grands directeurs de la photographie de la Nouvelle Vague, hein, qui a travaillé avec Godard. C'est quelqu'un qui sait très, très bien faire de l'image. Il a un fonds privé qui est conservé au musée Guimet actuellement, et il a conservé quelques photos. Alors, on ne va pas faire une découverte incroyable, mais par exemple, il y a certaines photographies dont il a gardé des doublons. J'ai en tête une photographie où on interroge un prisonnier, par exemple. Et là, il n'y a rien de choquant du tout à cette image. Enfin, choquant, je veux dire, plus choquant qu'on ne peut... Enfin, pareil, je ne veux pas mettre de jugement, mais... Donc, on voit un prisonnier Viet Minh qui est interrogé. Ça, c'est la photographie qui est conservée dans le fond. Et on devine une corde, voilà, au cou. Bon, des conditions d'interrogatoire, voilà. Et Raoul Coutard a gardé dans son fond personnel une photographie qu'il a prise juste après ou avant, où on voit le hors-champ de la photo, donc c'est incroyable, c'est tout ce que dit la photo aussi, la fragmentation de la réalité qui est prise. Et dans le hors-champ, on voit juste le soldat derrière, le soldat français, qui tient la corde. Donc en fait, c'est pas une révélation énorme, c'est juste que l'impression, quand on voit cette photographie, évidemment, elle est plus dérangeante à regarder, parce qu'on voit ces soldats qui tient un autre homme par une corde, voilà. Et donc, on peut comprendre que, voilà, peut-être Coutard, à ce moment-là, il y a eu un doublon. C'est presque un doublon, c'est pas tout à fait la même photo, mais c'est presque un doublon. Bah, il a gardé pour lui cette photo. Cette photo-là, où on voit le soldat derrière, elle n'est pas dans les fonds de l'ECPAD, parce qu'elle était plus inconvenante, voilà. Et, voilà, moi j'ai pu mettre à jour ce genre de contrôle de l'image qui était peut-être tout simplement le contrôle d'ailleurs de Coutard reporter, hein, au moment de faire ses tirages. Il s'est dit bon, bah, celle-ci elle passera pas, voilà, je la garde pour moi, voilà. Bien, merci à tous.